De Frisch ligt hierachter. Ben je er al geweest? Nee. Nee? Jamais. Hier op die foto. Uh-huh. Wij staan nu hier. Hierachter ja. dit gebouw is dit gebouw hier. Okay. En dus het is een oud rangeerterrein van de NMBS. Maar van hier tot hier is een kilometer. Je crois que j'ai signé des pétitions pour défendre ja, la Frisch. Oui. Er zijn nu 15.000 mensen die getekend hebben. Maar het is nog altijd onduidelijk. Mm-hmm. Brussels gewest wou eerst alles volbouwen. Ja. En nu zouden ze misschien dit stukje willen sparen. Maar het is, Et donc, je vois la compagnie des nouveaux disparus. Ja, Et donc, circus. Ouais, pour le moment, les disparus, c'est les artistes, évidemment. Mais bientôt, ce sera les arbres et les oiseaux. Ja, ja. Évidemment. Je dois... Treed binnen, Corinne. Merci. Kom binnen. Voilà. Merci. Comment tu as deviné que j'aimais les Léo? Je t'ai dit. C'est drôle parce que moi je n'aime pas le sucré, mais j'aime les Léo. Er is hier een nachtwinkel om de hoek. En ik heb het daar gevonden. Ik dacht, ja, ik weet het niet waarom, want normaal koop ik dat nooit. Ik had het eerste hoofdstuk direct gelezen. Mm-hmm. En het kwam op het goede moment, want ik was een beetje in een melancholieke mood. Oui. Ik lees jou het liefst als het niet zo goed met mij gaat, Caroline. Ik lees jou als ik me een beetje treurig voel of triestig voel. Cette nouvelle-là? Ja, maar over het algemeen, als ik jou lees, ja. het raakt mij het meest als ik zelf een beetje fragiel ben. Écoute, je dis dans une autre nouvelle que par rapport à la nature, nous avons perdu notre innocence. C'est-à-dire que nous savons que ça va très mal et qu'il y a une chute de la biodiversité, une disparition des espèces. Et moi, j'ai été bénévole dans un centre de revalidation pour oiseaux sauvages et je voyais qu'il y avait de moins en moins d'oiseaux, comme on dit, insectivores, les fins becs. Il y avait de plus en plus des gros pigeons qui ont des zoonoses, hein, ils ont des maladies. Et on voyait la disparition des oiseaux jusque dans ce centre de soins aux oiseaux. Et on voyait aussi le courage des oiseaux, comment ils luttent pour survivre même quand ils sont blessés, comment ils prennent soin des autres. Et ça m'a terriblement impressionnée. Ouais. Et cette histoire, elle est autobiographique, en fait, c'est pour me consoler d'un grand chagrin d'amour, c'est que quand je me suis occupée de ce canard et qu'il a repris sa liberté alors qu'il était encore un peu blessé, et je n'arrivais pas à m'en remettre, alors j'ai raconté cette histoire. Ik dacht al dat het autobiografisch was. Ouais, ik ging het je niet vragen, omdat dat eigenlijk niet relevant is. Maar voilà, tout est autobiographique. Tout, dat dacht ik ook. Ik herken mij zeer goed in jouw melancholie. Ik heb dit van jou gekregen de dag na een van de grote klimaatmarsen in 2019. Oui. En ik had toen echt een... bijna zelfs een depressief gevoel. Ik was zo veel aan het lezen over klimaat en aan het verdiepen in biodiversiteit. Ik ben echt door zo'n fase gegaan van klimaatdepressie. Climate grief wordt het genoemd. C'est le deuil climatique. Comme Greta Thunberg, ja. elle a été longtemps en dépression avant de commencer à s'asseoir toute seule et à faire les marches pour le climat. Kijk, dat wist ik niet, ja. Et je pense que les mélancoliques sont ceux qui sont aussi les plus actifs. Mais c'est vrai. Mais Aude, alors c'était donc une proposition qui t'a été lancée. Ou bien c'est toi qui as eu l'idée d'écrire des odes. Het was samen met de hoofdredacteur Rob Wijnberg van de Correspondent. En hij wou dat ik een vaste rubriek kreeg, maar ik hou niet van vaste rubrieken. En toen zeiden we een vaste rubriek die een bepaalde vorm heeft, maar ook heel veel vrijheid biedt. Voilà. En de odes vond ik wel een heel mooie formule, omdat het...
Ja, ik vond journalistiek moet kritisch zijn, ja, maar je moet ook weer durven lyrisch zijn. We zijn Ouais. bijna nooit meer lyrisch in de C'est journalistiek, vrai. behalve in de sport, in de wielerjournalistiek. Dat is de laatste Ouais, plek waar je ouais. nog alle. En ik dacht van, ik wil eens iets doen wat niet meer zoveel gebeurt, gewoon ongegeneerd enthousiast zijn. Ouais. En ik weet niet of mensen die odes moeten lezen, maar ik kan wel mensen aanbevelen om zelf odes te schrijven, want dat heeft iets met mijn geest gedaan. Ouais, Ik je ben comprends. echt contenter geworden door die teksten te schrijven. Het was eigenlijk heel, heel tof en heel genereus om die teksten te. Ik stond goed in het leven op dat moment. Maar ik word altijd het meest van al geraakt door die zachtmoedigheid, Ouais. door die melancholie. En is dat Ouais. voor jou ambivalent, dat leven in de teksten en buiten de teksten? Non, pas du tout. Ce qui me surprend, c'est que souvent les critiques, en général masculins, voient le côté mélancolique de mon travail et que moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait des choses drôles et qu'il y avait de la en tout cas de la lumière dedans. Et comme dans tes textes, il y a toujours beaucoup, beaucoup de lumière. Et que donc, au fond de moi, je me dis que il y a un fond, il y a toujours un petit sourire quelque part, quand même. Une distance, et surtout une observation, une curiosité qui fait qu'on voit toujours les aspects bizarres, étrangers, amusants, parfois sinistres, mais il y a toujours ce petit recul narratif que nous avons en tant qu'écrivain, et que j'avais avant d'écrire d'ailleurs. Ik heb het jou nooit gezegd, Caroline, maar er is geen Belgische auteur die mij zo kan troosten als jij. C'est vrai? Ja. Wow. Ja. Wow. En Mais ik. alors, on peut dire que, enfin, on peut dire que c'est réciproque quand même. Je pense que toi, tu aides vraiment beaucoup de gens. Ya, Et dank je. par tes livres, oui. Il y a évidemment toute ton action militante, toutes les prises de parole que tu prends, même au niveau de la Belgique, qui est quand même un pays très difficile. Je pense que c'est courageux de s'enraciner dans son propre pays. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait alors que j'ai passé mon baccalauréat en France et que j'avais vécu en Espagne et en France avant. Et c'est vraiment un pays que j'ai apprivoisé avec toutes ses complexités et ses irritations. Et donc, je pense que tu aides les gens par tes prises de parole publiques, par tes engagements, évidemment, dans le climat ZAC, etc., parce que tu apportes du soutien aux militants, mais aussi par tes récits, qui sont tous passionnants. Je veux dire, quand on lit Para, par exemple, moi je me souviens quand j'ai été l'écouter, le voir, Bruno Vandenbosch, au Festival de Spa, et il y avait un Para dans la salle qui s'est levé et qui était très très ému. Et ça, cette capacité de se mettre dans un métier, dans une personne, dans une expérience que tu n'as jamais eue, je pense que tu l'attrapes parce que tu fais aussi un travail documentaire très très solide où tu rencontres les gens. Et moi, je peux dire que chacune de mes histoires, même des petites histoires sur les animaux, sont nées d'une rencontre personnelle avec des personnes ou avec des bêtes. Mais ma voix vient de la voix des autres, en fait. Ça, c'est sûr. De meest ongelooflijke lezersreactie die ik ooit heb gekregen was van een man, een vader. En zijn zoon had zelfmoord gepleegd. En die zei: al 2 jaar is er niets wat mij nog plezier van het leven geeft. En hij zei: die odes heeft mij ergens weer geholpen C'est vrai. om een beetje levenslicht te zien. Ik vond dat. Ça, c'est magnifique. Ik denk als ik 50 jaar zal geschreven hebben. En al heb je maar dat bereikt, dat je bij één Ouais. iemand zo'n klein beetje licht hebt kunnen brengen, dan is het misschien al goed geweest. Il faut continuer. Il We faut moeten absoluut continuer. verder Ouais, vraiment. doen. Ik weet niet of de poort nog open is.